Hey, salut la team, c'est Mars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de mon sacrieur Terre Air. Voilà un stuff un peu spécial. Je vous avais déjà présenté une fois sur le SRAM. Donc, on est sur une panoplie strigide. Hein, en base panoplie strigide, voilà. Avec un anneau du cycloïde Exo PA, un anneau de la Fuji Exo PM, ainsi que. Un bouclier du transporteur, la petite cape de la Fuji Exo PO, la A-Sheriff et une coiffe de la Fuji. Voilà, classique. Donc au niveau des raises, on est en 30-20-20-20-30. Ok, c'est pas énorme en termes de raises. Hein. Après, il y a de quoi améliorer tout. Mais vous allez voir que le ROX est clairement là. Hein. En termes de carac, on a 467 AJ, 463 force et 601 de puissance. Enfin, un peu moins, on est à 451 en vrai de puissance, parce que là, il y a le châti. Donc, vous allez voir que ça fait quand même pas mal de taf. Bon, j'ai passé, parce que... Voilà. Donc, au niveau des sorters, voilà, le petit pied qui fait quand même pas mal de dégâts. Hop. Ça, c'est pareil, la petite condense. Hop. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. 685 à l'osso, Koag à 566 en crit. Voilà, 100 crit, 437 quand même. On est sur des beaux petits dégâts. Hein. Je vous ai pas encore montré le CAC. Mais du coup... vous montrer ça de suite sur un autre pouch. Hop. Voilà, petite coupure, désolé. On va maintenant voir le CAC. Voilà, le coup de CAC en crit, 1556. Hop, on va essayer sans crit. Voilà, sans crit, il fait du 1000. C'est pas déconnant. Hein. Franchement, ça fait un bon petit rox. Hop. Vous voyez les dégâts sont quand même présents. Hop là. Bon, le marteau de monde est niveau 1, mais il fait quand même pas mal le taf. Enfin, il tape quand même assez bien, quoi, pour ce level là. Qu'est-ce qu'il y a que je vous ai pas montré? Enfin, voilà, je vous ai tout montré. On va mettre une pub plus vite fait. Hein. Hop. Petit coup de cac. Et c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour ce stuff. On se retrouve dans quelques instants pour tester tout ça en colis. Relative. Bon, ça y est, on a trouvé un petit colis. Donc on est en compagnie d'un Kra et d'un Osamodas. Et on est contre un Steamer, un Eniripsa ainsi qu'un SRAM. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc le petit mode Terre-Air là. On a quand même pas mal de reste R et neutre. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Reste R dans 33%. Mais ça reste pas mal. J'ai pas mis de reste feu. Même si l'ennemi est feu. Parce que bah, je trouvais pas ça forcément très nécessaire. Il va être plus là pour soin que pour autre chose. Hein. Ok. Pas mal ça. Directement il bouge les murs. Ok. Le sanglier qui se fait clean. Il reste 3 PA. Il a pas une vita de ouf hein Lenny. Le SRAM il est full terre je crois. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de terre. Bon après, hein, c'est pas... Et le Steam, il est multi. Hein. Qu'est-ce qui nous fait le crack? Ok, l'enterre est parti en direct, la pupu qui part.
plutôt pas mal. Tyrael PA. C'est vrai que Royal Canin, là, le... Lenny, il a pas des restes de ouf, hein. Moi, je vais me faire un petit tour 1 classique en mode boost. Enfin, ça dépend de ce que le steamer fait. Si le steamer, il invoque une nouvelle... Non, je pourrais pas la clean direct. Trop de vita. Je suis pas boost. Je vais prendre mon tour pour me boost tranquillou. Et puis après, j'essaierai de la clean plus tard. C'est vrai que ça l'a joué vachement aggro là pour le coup au début. Ok, il se donne de la PO, la maîtrise d'armes qui tombe. On va châtier. On va invoquer un chauffeur. On va maîtrise. Voilà, on reste un peu caché pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'on a un Ossa, donc on va avoir de quoi se TP. Hein. Le bouffe tout qui se fait clean directement par le SRAM. Faut faire attention hein, quand même. Faut faire attention. Monsieur Psycho, je le connais, je crois qu'il est plutôt pas mauvais. Hein. Enfin, 11-5. C'est peut-être pas lui. Non, c'est peut-être monsieur. Non, c'est un autre, c'est monsieur KO, je crois. Ok. Est-ce qu'on va esquiver? 33 esquive. PM, c'est pas fou. Hein. Oh, moins 1, ça va. Moins 1, en vrai, ça va. On va voir ce que décide de faire l'Ossa. L'Ossa qui est feu haut, je pense. Quoique. OR, peut-être. Je sais pas. C'est vrai, elles me disent pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le Kolak? Un petit coup sur le mini. Ok, les PA qui partent. Je pense que les ferait mieux de ce soir. Hein. Faut pas qu'il essaie de roxer là, faut qu'il soit en cache. Bon, au pire, c'est comme il veut, mais. Ouais, on n'a pas d'érosion après, donc en vrai ça après c'est pas tant que ça le soin. J'ai pas une PO de fou hein. Là sur le mode j'avoue que la PO c'est un des petits bémols. Voilà, le Nini qui a déjà pris tellement cher. Même en termes d'érosion et tout. Hein. Il a pris presque 400 d'héro au tour 2. Ok, la gardienne. Ça tue le tofu. Je suis en train d'hésiter là. Non, je pense que ça va partir comme ça. Là-bas, ils auront pas d'érosion. Hop. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. On tacle les deux. Lui les deux, l'Ossa, bon il finira jamais le Lenny. Hein. Oula, 700 sur du 40%. Ah ouais, le SRAM il tabasse. Je vais devoir lâcher un sacrifice vite. Quoique là je sais même pas en vrai parce que... Je sais même pas.
reste là. C'est moi qui bug ou... Non, c'est le jeu, ok. Pas de soucis là-dessus. Ouais, tout le monde a cru qu'il buguait. Ok, la libé qui part. Le petit bouffe, c'est pas mal ça. Ouais, le drago. Ouais, s'il pouvait kill Lenny, ça m'arrangerait parce que là, sinon on est vraiment pas bien. Malheureusement, ça m'a l'air pas trop bien parti. Est-ce qu'il va claquer une reconce? Ce serait le mieux, hein, je pense. Ouais, ouais, c'est ça la réponse. Ok, ils vont pas chercher à me booster. Le Kra, il a que 23%. En plus, il a pas de res neutre. Donc, à mon avis, il ferait mieux de pas rester trop dans le coin. Ça, c'est plutôt bien joué. Ouais. Non, ça a pas marché. Déplace-toi. Non, super. Là pour moi il aurait dû bouger parce que bon. Ok. Les petites chianes. Moi ça va me booster un peu, c'est assez cool. Ok, la libé. Et il se barre. Ok. Ben non, on va partir là-dessus. Hein. Hop là. On remet midlife le Lenny. En plus, il est full tac, donc ça nous arrange plutôt pas mal. Hein. Mais non, il est taclé par quoi là? Y'a un bug? Pourquoi je le vois taclé par le... Oula. Ok, une vie. Je vais demander au coéquipier s'il tombe Nini. Compliqué. Il a un vie pour sortir d'un vie le mec. Ouais, il s'est chauffé de ouf. Hein. Non, c'est un truc de ouf. Mais il tombe jamais Lenny là. En vrai si j'avais mis un crit sur le coup de hache, il tombait tous les jours Lenny. Mais là il tombe jamais. Open niveau 1, ouais. En plus lui il va sur Steamer, super. Un peu de soin, ça fait pas de mal. Mais quand même midlife, hein, le bonhomme.
Donc compliqué. Il finit pas le crash, je pense, avec 4 PA, ça risque d'être compliqué. Moi, je vais devoir sacrifier, hein. Malheureusement. Non, même avec 2 flammes, il s'en crit, tu es pas là. S'il craque et fout terre, logiquement. Ah, ok. Ouais, il tombe tous les jours. Tous les jours. Bon, plutôt pas mal. Je sais pas si je pars sur le... Bah, je pense que je vais partir sur le Steam en vrai. On va voir ce qu'il fait, hein. Mais je pense que ça va partir là-dessus. J'avoue que le Lenny, j'ai pas trop compris son play là, les PA et tout. Bon, dans tous les cas, il serait mort. Même en se soignant, il aurait pas survécu parce que bon, la deuxième harcelante, elle aurait fait au moins du 500 et quelques. Donc il se serait pas soin de ça. Lui, son but, c'est d'aller terminer le crash, je pense. Et là, il s'aspire. Ok, génial. Il bug. On aime. Oh là là. Truc de ouf, quand même. Je vais leur donner. Là, c'est plutôt pas mal. Petit coup de la shérif, hein, vous voyez, je suis pas trop boosté, je suis pas... Enfin voilà, il n'y a pas des trucs de ouf qui se passent. Pas trop boosté, j'ai même pas la maîtrise. Enfin, je trouve que le coup de hache était vraiment pas mal quand même. Puis je tape pas sur du 0%, quoi. Il y a ça aussi. Ok, mais le doppel, il peut aller le tacler. Oui, il peut aller le tacler. En vrai, j'aurais peut-être pas dû le détour parce que. Parce que là il peut s'aspirer du coup sur sa toile. Bon après remarque qu'il y a des invoques qui vont venir se mettre au milieu donc je sais pas. Franchement je sais pas. Notre osa elle est quand même sacrément belle. Ok, il invoque le crasse plutôt pas mal. Il se met un petit coup de soin assez bien aussi. Le doppel qui va littéralement servir à rien. Petit doppel niveau 1. Ok. Hop, le tofu qui continue à faire son petit taf depuis tout à l'heure. Il est là, il est bien. Ouais. Le koala qui est depuis le début du jeu, il est sûr. Depuis le début de la game, il est bloqué sur le double. Avec le chauffeur, il s'amuse, il essaye de tuer le double. En vrai, c'est dommage que j'ai pas de PO là parce que compliqué du coup d'aller sacrifier et tout.
Par contre, le tofu qui s'est très bien placé quand même. Mention honorable au tofu. Ok, embuscade. Nice aspi. 5 PA. Ah, il tue pas pour 5 PA. Hein. Non, il est loin de tuer pour 5 PA. Sert à rien, j'ai le TP. Voilà, j'ai le sacrifice. Hop là, le petit coup de cac. On va se mettre là. Voilà, il est clairement allé se suicider là, le Steam. Ok, moins 1 PM. Mais bon, il pourra pas retuer le Kra. Il va juste mettre des dégâts à moi, ouais, voilà. Et là, il picote mine de rien. Bon, l'Osa, il va servir à quelque chose à un moment ou... Il est pas foufou ce tout ça. Gariat là. Ah, il met un petit coup de soin. Ah, ça a le mérite d'être utile. Non. C'est pas ça quoi. Bon, le double en bas, il tombera jamais de toute façon. Je pense que là, c'est clair et net. Hein. Earthram qui peut un Vitour Pro, il me semble. Je sais plus. La flèche de recul. Je comprends pas pourquoi il focus le SRAM là. Non bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Il se full boost. Il met son petit tour, en vrai ça va, c'est assez sympathique. Hein. Ouais bah je vais lâcher une condense. 600. Et bah, on va reculer. On va reculer tout doucement. On a tué la harponneuse, c'est déjà une bonne chose de fait. Alors le SRAM, qu'est-ce qu'il peut faire? Logiquement, il a le Kra à la M. Donc, je vais encore manger. Je vais encore être puni. Ouais, je vais encore prendre la punition, je pense. Bon, s'il se décide, hein. Ben là, je pense qu'il... Ah non, il joue quand même, il joue. Je pensais qu'il avait lâché l'affaire. Ce que je peux comprendre, parce qu'il est pas tombé dans la meilleure team au monde, hein. Ah ouais d'accord, il vient direct au suicide. Génial. Ou alors il bug, hein. Mais
Là, pour moi, c'est plus du suicide. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ouais. Pourquoi pas ? En espérant que le cry finisse le steamer. Hein. Parce que je vois depuis le début, il a la haine contre. Il a la haine contre le SRAM. Mais là, faut qu'il le steamer. Hein. J'ai le ping. Hein. Non. Il est parti pour. Allez. Tu peux le faire. Il veut lâcher quoi, la pupu? Voilà, tout ça pour une pupu pas chargée, quoi. Et kill pas, du coup. Hallucinant. La qualité du combat est incroyable. Hein. Ils sont encore sacrifiés. Ah, en plus. Ça veut dire que là, le steamer, s'il veut, il peut limite me kill. Hein. Ok, ça regardienne. Et beau. Oh là là. Ouais, je vais aller le kill, quitte à mourir derrière. Eh, quoi que non, si je meurs derrière, le SRAM. Oh là là. C'est ce que je vais faire. Ah, dommage. Mais genre, il meurt pas. Bon, au moins le SRAM, il peut pas m'atteindre. Il est taclé. Ça va. Mais j'avoue que là, pour le coup, je suis déçu du boomerang perfide. Après, j'ai plus mes boosts, hein. Donc en soi... J'ai pas compris pourquoi il a dit co-suicide, l'Ossa. Il est fou. Ouais. C'est pas fou, hein. Je sais pas trop ce qu'il fait, enfin bref. C'est pas grave. On va dire que tout est normal. Ossa en méno, il est bizarre, il est feu, eau, air. Je trouve ça chelou, moi, les Ossa multi comme ça. Ossa, modernement, full eau, full air ou full feu, et commence pas à jouer tri-élément, frérot. C'est douteux ce que tu nous fais là. Ah bon. Je me recollerai plus avec cette personne, je pense. Ah bah oui, toujours plus. Bon, bah c'est déjà la fin de la vidéo, la team. J'espère que ça vous aura plu. C'était Mars. Ciao, ciao.